Une vidéo map edit sur Fortnite, voilà, hashtag CXLTV Xedit Cup, voilà, 20 € de cash price, donc 10 € set, 10 € manette. Lien de sa vidéo en description, n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne, go lui faire péter son compteur d'abonnés, donc au moment où je règle sa vidéo, il a 11 abonnés, donc voilà, go lui faire péter les 20-30 abonnés, voilà. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, go les 1000 abonnés, donc abonnez-vous en masse pour que la seconde map edit arrive, donc elle arrivera, elle sortira quand on aura les 1K, la seconde map edit, donc il y aura un trailer et tout, donc ça se prépare et tout, vu qu'on a atteint au moins 90 likes, donc merci à tous, voilà, donc soutenir un créateur, vous mettez LazyX-du-bas, L-A-Y. ZIX tiré du bas dans la boutique Fortnite et puis on lance tout de suite le chrono. Donc voilà, tu fais soutenir un créateur. Tac, je vous montre vite fait comment ça s'écrit parce qu'il y en a, ils savent pas trop l'écrire. Donc hop, c'est parti. Accepter. Donc voilà, explosez cette barre de pouces bleus et puis voilà, et vous abonner aussi. Donc là, on commence sur une edit en deux. Là, on fait une double edit, hop, triple edit. On a un escalier qu'on modifie de l'autre sens et on monte. Donc ça, en gros, c'est plutôt pour les spills. Donc là, on descend. Là, soit on reset et on fait ça, ou soit on reset normal. Donc ça le fait. Donc là, on peut faire ça, ou sinon edit en deux comme ça. Donc ça, c'est vous qui voyez. Hein. Voilà. Donc la map, elle est assez stylée, donc ça passe. Et c'est clean, c'est plus pour les speed death run, des maps comme ça. Hein. Mais sinon, après, c'est assez stylé. Donc là, c'est la même étape. On descend, on monte, on descend. Donc là, hop, la petite double edit. On modifie l'escalier comme ça. Et voilà. Et là, on va partir sur du speed. Et après, il faut faire une triple edit. Voilà. Bon, là, on fail. Voilà. Donc là, triple edit, il y en a combien? Il y en a 4 ou 5, je pense. Ok, donc il y en a quasiment 5. Ok, donc là on passe sur la descente de cône à modifier, double edit et après un cône à reset. Voilà, donc il y a le lien de la vidéo pour la map et le code en description bien évidemment comme toujours, voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, voilà. Parce que sur la map edit que j'ai sorti, on a eu plus de 1000 vues. Donc voilà, donc si tout le monde serait beau, on aurait plus de 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, ça fait plaisir. Et c'est gratuit, ça coûte rien les potes. Hein. Donc là, on édite ici, on refait une triple édite, ok, voilà. Donc là, on redescend, on refait la même étape. Donc là, hop, on édite en deux, soit on édite en deux comme ça, soit on reset. Et après, on fait monter l'escalier. Donc là, on passe sur de la triple édite encore une fois, on redescend. Et après, on va passer sur une autre étape avec les jumps. Là, hop, on modifie, on initialise. On modifie ici et on descend. Ok, en vrai c'est stylé cette étape, elle est plutôt pas mal. On retrouve pas ça dans toutes les maps edites. Donc là on doit arriver là, hop. Et après on descend comme ça, donc c'est plutôt stylé. C'est plutôt sympathique. Et là je pense on va aller arriver sur le chrono ou sur une descente. Donc ok, on arrive sur une descente. Ok, donc je croyais qu'il y avait que des sols, donc non, c'est une descente vraiment. Donc autre part sur la map. Mais sinon elle est plutôt stylée sa map, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à sa chaîne YouTube en description, lien de sa vidéo, voilà, pour le cash prize, pour savoir toutes les informations possibles sur la map edit, voilà, donc 10 € CS, 10 € manette, voilà. Donc sur ma prochaine map edit, il y aura apparemment, il y aura 10 € en tout, donc 5 € CS, 5 € manette, donc qui va sortir avec un petit trailer, donc ça c'est plutôt sympathique, petite mise en avant. Donc là on est toujours sur la descente. Donc en vrai c'est plutôt pas mal de descendre comme ça, modifier comme ça et après je descends plus vite. Donc là on va pas tarder à arriver sur le chrono je pense. Ok, bah elle est quand même assez longue la descente, je sais pas ce que vous en pensez, dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire si vous êtes encore là sur la vidéo à ce moment là. Dites moi le time code et tout. Ok, ça descend encore, hein. Je pensais qu'il y avait le chrono pas si long que ça. Et on est presque arrivé. Ah, la faille est juste là, ok, j'ai cru qu'elle était à côté. On spawn ici, ok, bah let's go. Let's go, on a spawn à côté.
La faille, ok, la faille était là et je me suis décalé à gauche, je suis tombé ici aussi. Ok, on a fait 5,53 à peu près. Donc fin de la map le 1er février 2022, 20 € de cash prize, le hashtag il est juste là, il est dans le titre de la vidéo, voilà. Donc en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, petit pouce bleu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'est LazyX, allez, ciao!